Les canailles, j'ai une hype de malade. Parce qu'il y a un choix icône, les frérots, je vais le faire, la vidéo sortira ce soir. Donc voilà, c'est un boxeur. Pourquoi c'est un boxeur? Parce que son entraîneur lui dit, oh, t'es une belle garde. Oui, la blague était éclatée, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, les gars, je suis qu'un loser. De toute façon, pour être streamer sur FIFA, faut puer la loose, je vous le dis. Est-ce que le jeu, il pue la pisse, les gars? Bon, il y a Jean-Rickner Bellegarde. Je ne connais pas ce joueur, en sachant que je suis de Nîmes. À 20 minutes de chez moi, il y a une ville qui s'appelle Bellegarde. À côté de Beaucaire, pour ceux qui connaissent. Voilà, les gars. Donc, on va regarder sa carte tranquillement. Jean-Rickner Bellegarde. Il y a un renfort connexion, il y a des jokers. Il y a un icône de base au choix. Donc, c'est hyper hypant. Je vais me le faire. Oui, que je vais me le faire. Un choix icône. Donc voilà, un 84-85 qui est un des trois choix icônes. Et on va rêver. Et l'essentiel, c'est de rêver. L'essentiel, c'est de kiffer. Donc on va le faire. Et ça va nous faire la levée. Donc pour vous montrer, Jean-Rickner Bellegarde, les gars, il joue à Strasbourg. Donc c'est en Ligue 1. Les gars, il peut jouer MC, MDC. Après, il a double 3. Il a un rendement moyen-moyen. Ce qui nique un peu sa carte, c'est son rendement moyen-moyen. Mais après. On va pas se mentir, les gars, il demande qu'une équipe, il demande une équipe à 4... Non, deux équipes, pardon. Il demande une équipe à 83 ainsi qu'à 84, donc c'est... Ça dépend si le marché va augmenter, donc je pense qu'il peut coûter 84 quand même. Hein. Mais après, il a 86 d'accès pour 88 de vitesse. Déjà, moi, je vous conseille de le jouer en MC et pas en MDC, hein, à son poste, parce qu'il a pas un gros physique, une grosse défense, il fait 1m72. Il a beaucoup d'agilité, d'équilibre, une belle réactivité, le calme aussi. Une belle qualité de passe courte et de passe longue. Après, il n'a pas un gros tir, mais ça passe pour MC. Vraiment, les gars, c'est pas une carte qui fait rêver. Oui, la double 3, mais c'est un milieu de terrain. Si vous n'avez pas un gros budget et que tu as une Ligue 1 ou une équipe française à 3 milieux de terrain, les gars, c'est des cartes cheatées, des non-aim. 86, 88, accélération, vitesse. Il a de l'agilité, l'équilibre, tout ce qu'on demande à la méta. Donc, si tu joues à 3 milieux avec un pur box-to-box, un MDC, et franchement, fais-le. Après, bien sûr qu'il ne sera pas meilleur que certaines cartes ou quoi, mais c'est les cartes cheatées, quoi. Les cartes qui font pas bander en termes de nom, mais 86 d'accel, 88 de vitesse, il a l'agilité, l'équilibre. Si tu as un petit budget, fais-le. Bien sûr, après, si tu as un bon budget, tu as des Gullit, des Mataus ou des milieux de terrain à plusieurs centaines de milliers de crédits, je vois pas l'utilité de le faire. Mais en pur MC à 3 MC avec un box-to-box, un pur MDC, Jean-Rickner Bellegarde, ça peut être intéressant, les gars. Ça peut être vraiment intéressant. Et là, franchement, je suis heureux, les gars. Je suis sur un nuage avec ce putain de pack-icône. Je pense qu'à ça. Je vais vite mettre la vidéo et après, je fais mon petit pack-icône. Si vous avez des pack-icônes, envoyez-moi une invite, les gars. Et après, comme d'hab, il y a des matchs de coupe, des trucs argent, des... Voilà, des trucs comme d'hab, quoi, des objectifs. Après, pour ceux qui demandaient par rapport au draft, les gars, il y a des... par rapport au draft, les choses que vous gagnez, vous pouvez le faire en draft, pas contre l'ordinateur en draft. Il y a que certains matchs que tu es obligé de le faire... je sais plus où il est le défi. Draft hiver, voilà. Disputer un match dans n'importe quel mode. Voilà, là, tu dois disputer des draft fut. Ils disent draft fut. Donc, tu peux le faire dans n'importe quel mode. En draft contre l'ordinateur. Par contre, après, là, ils marquent draft fut en ligne. Là, c'est en ligne, par contre. Remporter les matchs, c'est en ligne. Disputer les matchs, tu peux le faire en draft contre l'ordinateur. Voilà. Voilà, vous savez tout, les gars. Il y a Bellegarde. Il a une carte assez intéressante. Je vais être obligé d'ouvrir. Ah non, c'est un choix, donc je serai pas obligé d'ouvrir mes choix icônes. On va faire le petit pack icône. La vidéo sortira ce soir, donc vers 22h, je pense, mes canailles. Donc Jean-Rickner Bellegarde. Voilà, il a une belle petite carte. Il a une belle carte, Bellegarde. Allez, mes coquines. Bisous à tous, les vicieuses.